J'en ai désiré plusieurs. Mais j'ai juste aimé ta mère. On va mettre les lignes sous écoute. Celle de la Fondation, puis le deuxième téléphone de Talbot. Je suis en bonne main à l'hôpital. Tu sais qu'il existe des traitements expérimentaux qui sont pas disponibles ici. Ça vaut peut-être la peine d'explorer d'autres avenues. Arrête de faire des idées à propos de Marie-Ève. Je te dis, tu peux me faire confiance. On achète deux billets d'avion pour Bali, puis on va se prélasser pendant 3-4 semaines. Sous le coup de la colère, je t'ai dit des choses. Je te demande pardon. Un de nos témoins pour demain a disparu pour avoir notre défense en catastrophe. On repassera, hein, pour le pas d'horreur, pas d'obligation. T'as rien à me dire. Fais-moi le tampon. Ce serait peut-être pour toi l'occasion de tourner la page. Je vais y réfléchir. As-tu mis ta blague sur le bureau de Charles? Mes filles trouvent Charles très drôle. Est-ce que tu penses que c'est possible d'aimer deux femmes? Quoi que tu décides, vous allez tous souffrir. Vous êtes censé avoir envoyé ces résultats pour un deuxième avis. Je voulais juste savoir si ça a été fait. On n'a pas de Mina Landry ou O'Hara ici. Vous êtes sûr qu'elle est suivie en oncologie? Tu veux un café? Non, merci. Oh, OK, je suis coupable. Je sais pas de quoi, mais je suis prêt à payer le prix pour que ça redevienne vivable ici dedans, moi. Je sais que t'as une aventure avec Marie. Ah, oh, José, c'est bien de la paranoïa, ton affaire. Arrête, s'il te plaît. Ces enfants t'écrivent des blagues, OK? Ils parlent de toi comme si t'étais leur meilleur ami. C'est clair que t'as vois pas juste au bureau. Oui, c'est ça. J'ai une aventure avec Marie-Ève chez eux devant son mari et ses enfants, c'est ça? Why not? OK. Regarde-moi dans les yeux, puis dis-moi que tu ressens rien pour elle. Il fait frais ce matin. Mets ta veste. Non, elle me pique trop. Ben, prends ton polar. Ah, il est bien trop laid. OK, ben, gèle. Peux-tu ma veste en jean? C'est trop petite pour moi. Oui! Bon, allez-y, allez-y, là. Bonne journée. Bye, Nadine. Bon, un peu jeune, elle, pas sa crise d'ado. J'ai pas de patience pour ces niaiseries-là. Es-tu heureux, Vincent? Quand on est en famille, on dirait que t'en profites pas, que ça t'intéresse pas. Regarde qui parle, tu passes plus de temps au bureau qu'ici. Quand je suis ici, il me semble que je suis toute là. C'est pas un emmerdement comme ça a l'air de l'être pour toi? Je veux qu'on consulte, Vincent. Pour voir si on peut sauver ce qui reste de nous deux. Ouais. Je suis juste pas sûr qu'il reste encore quelque chose à sauver. Regarde, mon amour, je te mets des petits fruits juste ici, OK? Ouais. Ouais. On va les mettre ici. Donc, allô, Antoine. Allô. J'ai fini tard hier, alors j'ai préféré aller dormir chez moi, là, pour pas te réveiller. T'as fini ta journée? Presque. Il faut que je retourne au bureau, là. J'ai des procédures à revoir pour demain, mais je devrais finir plus tôt qu'hier. Je pourrais arriver vers les 9h, 9h30. Non, je préférerais que tu dormes chez toi encore pour quelques nuits. Mais pourquoi?
pour nous donner le temps de réfléchir. Mais de réfléchir à quoi? De quoi tu parles? Je t'aime vraiment beaucoup, Antoine, mais t'as pas de temps pour nous. Gloria, je suis dans un rush en ce moment, là, mais c'est temporaire. C'est temporaire depuis le début. Je le vois pas le jour où on va pouvoir partir sans prévoir ça 10 ans à l'avance. Non, là, t'es de mauvaise foi. OK, 10 ans, là, peut-être que j'exagère, là, mais avoue que ton agenda est booké pour les 6 prochains mois. Tu vois? Après, il va y avoir un autre 6 mois. Pas un autre, pas un autre 6 mois. Gloria, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas. OK? Abby a faim. Bye. Faut que je te parle de ton dossier. Quoi, mon dossier? Ben, ton dossier. Allô? Hier, c'est moi qui les ai faits. Je t'en ai mis 2, au cas où. Au cas où j'aime trop ta recette que je vais pleurer si j'en ai juste un? Bye, maman. Bye, ma chouette. Ton cœur bat fort. C'est parce qu'il t'aime? Tu vas guérir. On va avoir besoin de vous pour faire progresser l'enquête. Mais on vous a déjà fourni la preuve du cellulaire, celui que Talbot prend pour communiquer avec Maître Aignier? Oui, mais le problème, c'est que depuis qu'on a mis les lignes sous écoute, ils se sont pas reparlés. Ça fait que on va les obliger à se compromettre. C'est pour ça qu'on a besoin de votre aide. OK, vous voulez qu'on les pousse à se parler, mais on va faire ça comment? Ça va être le travail de Maître Cartier. Vous allez appeler Maître Aignier puis lui dire que la Fondation accepte finalement le règlement hors cours. C'est vrai qu'elle va vouloir annoncer la nouvelle à Talbot assez vite. Merci. Et puis, dans leur conversation, on devrait pouvoir capter quelque chose de compromettant. Je l'appelle? Oui. Maître Aignier. Oui, ici Maître Cartier. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La Fondation accepte finalement votre règlement hors cours. Coudon, les Mexicains, ils font-ils exprès pour que la réglementation soit le moins claire possible? Mauvais matin. Pas du tout. Et toi? Super paisible. Putain. Le contrat pour la flotte de camions, j'ai négocié pour 2 ans. Et juste 2? Mais c'était le maximum. OK. Les assurances? Ah, j'ai renouvelé avec la même compagnie, Valeur à Neuf. Bon, je pense qu'il voulait dire le régime d'assurance des employés. Elle lit dans mes pensées. J'ai le contrat. Approuvé par le légal, il manque seulement la signature. Ouais. Next. Efficace. Livraison spéciale. De ton mari. J'ai prévenu Maître Johnson, elle s'en vient. Merci. Pourrais-tu appeler l'hôpital de la source? J'ai besoin d'une copie du dossier médical de Mina, puis j'ai l'impression qu'ils l'ont perdu. Là. Je m'en occupe. Ah! C'est le branle-bas de combat ici ce matin? Pas le choix. On a jusqu'à demain soir pour finir la paperasse pour l'ouverture de l'usine au Mexique. Faut qu'on clenche, on a assez perdu d'argent avec ça. Ben, tu sais, petit cadeau de ma fille.
Merci. Oh, c'est une belle grande fille. Mm-hmm. Mais je trouve que ton gars te ressemble un peu plus. Oui, c'est vrai qu'Anne a un petit peu plus les traits de sa mère. T'as pas sa photo? Je serais mal placé d'avoir la photo de mon ex dans mon bureau. Non, excuse-moi, mais ça va, là. Ben, je veux dire, elle m'en a fait baver, là, mais là, c'est correct. Ah, oh, c'est jamais facile à vivre, ce genre de truc-là. Non, surtout quand ton ex fait un cancer après ta séparation. Donc, c'est facile de se sentir coupable. Oh, je suis désolée. Ça va, là. Ça nous a rapprochés. Je pense qu'il va encore falloir que je fasse semblant de rien devant ta botte, là. Ah, oh, plus ça va, plus ça me stresse. C'est vrai que c'est pas évident. J'espère juste qu'il va me croire. Il fallait qu'il y ait des doutes puis que ça fasse tout foirer. Oh, là. Regarde, je vais y aller avec toi demain. Puis on va appeler François aussi. Comme ça, gang, ça va bien aller. Mmh, merci. Ah, oh, c'est papa. J'avais oublié qu'il devait m'appeler. Mets-le sur mes livres. OK. Allô, papa? Je suis avec Gloria. Puis Abby et Charlot. Allô? Hey, salut. Allô, Charlot. Allô, Abby. Vous savez, j'ai fait installer Internet. Ça fait que la prochaine fois qu'on va se parler, on va se parler sur Skype. Skype? Depuis quand tu connais ça, toi? J'aurais ma petite fille que Marc est un ancien technicien en informatique. Ça fait que non seulement il m'a trouvé un ordi, je vais même avoir bientôt une adresse courriel. Wow, il est hot. Tu lui demanderas de te faire une page Facebook. Oui, quand mes poils auront des dents. Comment ça va, vous deux? Ah, bien. Puis pour ce qui est de la fondation, ben, ça devrait se régler bientôt. Un instant. Entre, Marc. Je te dérange pas trop, j'espère. Toi, tu fais plaisir à voir. Je suis au téléphone avec les filles. Ah. Votre mère vient d'arriver. Ben, dis-lui salut de notre part. Elles te font dire bonjour. On se reparle plus tard, OK? OK. Bye. OK. Bye-bye. Méchante surprise. As-tu remarqué le ton de papa? Il faudra pas qu'il se fasse des idées. Marc doit s'occuper de tes bagages. Oui, oui. C'est un apéritif. Oui. Je suis vraiment, vraiment content de te voir. OK, donc je vais finaliser le point 2, puis je vais faire des appels pour qu'on soit fixé. Une chance, t'es là. Merci. J'ai téléphoné à tous les départements de l'hôpital, et d'après eux, ils ont aucune patiente au nom de Mina. Mais voyons, qu'est-ce que c'est ça, gang d'incompétents? Pas capable de retrouver un dossier. Hey, je te remercie, Madeleine, mais je pense que je vais m'en occuper moi-même. Ça te dérange si je te laisse finir ça tout seul? Je pense qu'on avait terminé. Ah, non, c'est beau. Tout ce qui reste, c'est du légal. Parfait, merci. Je m'occupe de les envoyer tout de suite. Merci. Je dérange pas trop. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec les filles? Non, non, je les ai fait garder. Charles, Vincent. Enchanté. Enchanté. Je vais m'occuper des photocopies. Merci. Je t'invite au restaurant. J'ai trop de travail, je peux pas. C'était pas le temps pour un resto, on se ferait venir quelque chose, puis on mange à ton bureau. OK. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange? Je vais avertir ma gang. Le lac est toujours aussi magnifique. Tellement grand. C'est pour ça que je me dis que 3-4 autres chalets, c'est pas assez. Je pourrais en faire plus. Mm-hmm. Tu veux les construire dans quel style? Ah, de luxe.
grand, en bois rond, peut-être. Tu as des idées? En tout cas, s'il t'en vient. Parce que pour le look que ça devrait avoir, la décoration, t'es doué là-dedans, toi. Tu veux m'inclure dans tes projets, mais je suis pas venue ici pour réparer les pots cassés. Je suis venue pour qu'on discute de notre divorce. Bien sûr. Je veux qu'on parle de la vente de la maison. Oh. Oui, j'en suis rendue là. Excusez-moi, où est-ce que je peux trouver le docteur Chen? Merci. Bonjour. Philippe O'Hara, le mari de Mina Landry. Votre patiente. Mina Landry. Oui. Non, ça me dit rien. Ça se peut pas, c'est parce que vous la suivez pour un cancer du sein, elle est en chimiothérapie. D'accord. Désolé, je ne l'ai jamais vu. Excusez. Êtes-vous le seul Dr Chen qui travaille sur le département? Ou... Pardon. Ça vous dit quelque chose? Elle est suivie en chimiothérapie. C'est moi qui gère tous les dossiers de chimio, puis je peux vous assurer que je l'ai jamais vu ici. Merci. J'ai noté toutes mes questions pour pas les oublier. Jacqueline, tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Je veux pas de chicane. Faisons ça calmement. OK? OK. Je t'écoute. Bon. Pour le contenu de la maison, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On sépare en deux. Le contenu de la maison, celui du garage aussi. En fait, je tiens vraiment à ce qu'on partage le patrimoine familial. Moitié-moitié. Il y a eu un temps où je t'en donnais souvent. Puis moi, je te donnais des cadeaux. Tu m'as déjà donné des fleurs aussi. Oui. À voir ton air, j'ai compris que t'aimais mieux les cadeaux. T'avais raison. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce que dans ton horaire hyper chargé, t'aurais du temps pour qu'on aille voir un thérapeute? Ma famille passe toujours en premier. Mais je m'occupe de prendre le rendez-vous. Très malade, toi. As-tu manqué l'école pour rien, là? Toi, tu me crois jamais. Une chance que Lisa me croit, elle. Il a pris du mieux, mais quand je suis allée chercher, il filait vraiment pas. Ah, oh, parce que tu prends sa défense en plus? Hey,
Ben oui, la madame gentille, elle va y passer n'importe quoi. Hein? Regarde, la prochaine fois, si tu vois que c'est un prétexte pour manquer l'école, tu peux-tu le laisser là, s'il te plaît? Hein? Parce que moi, là, je veux pas faire de mes garçons des petits douillets capricieux. Faut qu'ils apprennent que dans la vie, pour du monde comme nous autres, ben c'est pas des vacances à longueur d'année. Okay? Du monde comme vous autres? Mm-hmm. Parce que pour toi, vu que je suis une gosse de riche, je peux pas connaître ça, moi, la souffrance. Ben non, perdre un mari, perdre une sœur, ça vaut rien pour toi. Parce que j'ai de l'argent pour me consoler, c'est ça? C'est pas ça que j'ai dit. Mm. De toute façon, c'est même pas contre mon argent qu'en a, Claudine, c'est contre moi. Puis sais-tu quoi? Ben j'ai pas de problème avec ça. Tu peux pas me piffer, fine! Puis dis-toi que c'est de plus en plus réciproque. Mais je te laisserai certainement pas me passer toutes tes petites frustrations cheap sur le dos. C'est-tu clair? À cette heure, bye. On va s'en reparler de ça. N'importe quand. Pour la maison, l'agent d'immeuble va vouloir t'envoyer des papiers? Mon adresse de courriel. On aura tout vu. Veux-tu que je t'aide? Non. Ben, sais-tu, je m'étais dit que je ferais peut-être une choucroute ou une goulache ou un truc comme ça. Mais j'ai pensé plutôt que je ferais mes... Ton fameux spaghetti al pomodoro. Ouais. On s'attache. Toujours bon. Jacqueline, tu sais, la maison, tu devrais la garder. T'en as fait un château, cette maison-là, c'est toi. Non, c'est toi aussi, puis c'est les enfants. Non, je peux pas rester là. Pourquoi? Parce que j'aurais l'impression de vous manquer de respect, surtout si la maison devient aussi celle de Richard. Tu fais ce que tu veux, Jacqueline. Mais pour les enfants, pour les petits-enfants, ça serait mieux que la maison reste dans la famille. Quitte à ce que ce soit un autre homme que moi qui vive dedans. C'est super bien rédigé, ça. Ça, oui. Ils peuvent pas avoir des prévisions plus claires que ça. Tu veux que je traduise à l'espagnol? S'il te plaît. Bon, prochain chapitre, la dernière partie du plan quinquennal. Si on arrêtait pour ce soir, là, on est fatigué. On reprendra ça demain à tête reposée, là, on gagnerait du temps. Mais c'est toi qui voulais qu'on termine ce soir. J'ai promis à Vincent d'être raisonnable. Ah! Bon, mais si la boss nous donne congé, Je vais continuer la traduction à la maison. OK. Hasta mañana. À demain. Bye. Ce matin, en arrivant, ça avait pas trop l'air d'aller. Ça va mieux? Oh, tout est arrangé. Fais-toi-en pas. Prends soin de toi et Vincent. C'est ça l'important. Bonne soirée. Toi aussi. J'avais oublié à quel point c'est paisible. Ouais. Exactement ce dont j'avais besoin. Pourtant, t'as toujours détesté ça, la solitude. Ah, j'haïs ça au maximum. Mais elle me fait du bien. Parce que je ne peux plus me sauver de moi-même. Veux-tu que je te dise ce que j'ai découvert? Que j'étais un homme têtu. Mais ça, j'aurais pu te le dire. Puis, borné! J'ai compris aussi que t'en as souffert. Tout autant que les enfants. Tu sais que Charles est venu.
je l'aime tellement. Vous vous êtes réconciliés? Je mets du temps à comprendre, mais quand je comprends, je fais ce que j'ai à faire. Puis avec lui, heureusement, il n'était pas trop tard. Bonjour, vous êtes bien dans la boîte vocale de José Carignan. Laissez-moi un message. Salut. Qu'est-ce que tu dirais de ça si on partait tous les deux en voyage? Hein? Dès que l'ouverture de l'usine au Mexique est faite, on fly en Europe. José, si t'étais là devant moi, je te regarderais dans les yeux sans hésiter et je te dirais que t'es la femme de ma vie. OK? Je t'aime comme un fou. Rappelle-moi donc. Ça te va bien d'être amoureuse. Tu rayonnes. Merci. Il m'a demandé de partir en voyage avec lui. Fais bon voyage. Sois prudente. En fait, il va falloir décider de qui va aller représenter Agua à l'ouverture de l'usine au Mexique. Je dois m'occuper des billets d'avion, des chambres d'hôtel. Mais comme on a dit aux fonctionnaires mexicains que c'est toi qui assurais le lien entre le Mexique et nous, je pense que c'est toi qui devrais assister à l'ouverture de l'usine. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait d'accord. Excuse-moi, ça va pas long. José. Je te connais, Charles. Quand t'as un problème, soit que tu bois pour plus le sentir, soit que tu le fuis. Non, le voyage, c'est pas une fuite. Je veux vraiment être avec toi. OK, mettons. Mais avant de partir, on va prendre le temps de se parler. OK. Je te le dis tout de suite, il va falloir que tu choisisses. C'est elle ou moi. As-tu pris mon message? Yes. Écoute, je savais. Pour ces riches-là, l'image est tellement plus importante que le cash. Combien on a? 2 millions. Elle a même pas négocié. Je te l'avais dit que la boîte de bouffe pourrie devant sa porte, ça allait faire freaker. Écoute, on les a tellement eu. C'est notre meilleur coup à date. Va falloir le refaire, c'est sûr. T'imagines tout ce qu'on va se payer avec 2 millions? Hey, tu dis, toi. Hey, regarde, je te rappelle, OK? OK. Bye.
je veux pas que tu meurs. Je veux pas que tu meurs. On peut passer à travers tout le monde ensemble. Est-ce que tu peux me serrer fort? Est-ce que tu peux me serrer fort? Ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais non, c'est rien, ça, je... Mina, il va toujours être dans le portrait. Geneviève, elle a le cancer. C'est rien d'autre qu'un gros chien sale. Mais tu t'attendais quand même pas à ce que Talbot se pointe au bureau? Oui, pour au moins sauver les apparences. Ouais, mais il a pas intérêt à venir ici, là. Puis dis-toi que t'auras pas été obligé de faire semblant. Ouais. Là, qu'est-ce que je fais, là? Rainier s'en vient pour que je signe les papiers et mon avocat est même pas là encore. Ben, appelle-le. Oh non, c'est tellement pas le moment de débarquer. Rainier s'en vient, mon avocat est en retard. Calmez-vous, Madame O'Hara. On les a arrêtés. Hein? Talbot et Rainier sont en prison. Oh! Oh! Oh, mais... Je t'attendais pour l'ouvrir. T'as besoin de moi pour le bouchon ou... On fait quelque chose? Les deux. T'as changé d'idée pour le voyage? Mmh. Les coupes! On va faire un voyage mémorable. Je sais. Salut! C'est à toi, ça? Ben, depuis ce matin. OK. Ouais, hier, j'ai appelé mon boss pour lui dire que je démissionnais. Il a pas voulu, mais il m'accorde une sabbatique d'un an. Pour vrai? Oh oui! Alors, pour commencer, ben, on pourrait partir quelques jours à l'aventure. Ben, là! Oui, là! Là! Ah! Puis, OK, mais je vais aller chercher des choses pour la non, suite. Non. L'aventure, c'est qu'on part tout de suite, là. On achètera ça en chemin. Ah ouais, viens-t'en. OK, grimpe, let's go. Ah, le chouchou, non, bon, pas. Attends. Viens-t'en, ma petite chouette. Au pont, là. T'es où? Je t'ai laissé plein de messages. J'ai une super bonne nouvelle. J'ai hâte que t'arrives. Bye! Prêt? Oui. Envoyé. Ah, yes! Oh, bravo! OK, on fait. Étant donné qu'on a fini avec une bonne demi-heure d'avance, je propose qu'on trinque à notre efficacité. Et au succès d'Agua au Mexique. Seigneur, salut. Allez. Beau travail. Bon. T'es attendu? Ça semblerait, oui. Désolé. Allez, on te pardonne. Basta! OK. Hasta mañana. Salut. Ah, ça, c'était tout un marathon, hein? Ah, ouais, j'en ai des crampes dans le cerveau. Vincent a accepté qu'on aille en thérapie de couple. Moi, je suis content. Vraiment. J'espère que ça va marcher. J'aimerais tellement ça que nos filles nous voient heureux.
les voir bien avec leur père, ça serait merveilleux. Je te le souhaite. C'est qu'il faut que je te dise merci. J'ai pensé d'aller en thérapie. C'est que je t'ai vu aller avec mes filles. Je me suis dit... si ça pouvait être comme ça à la maison. Ça serait pas pareil. Mais ça serait bien. Ça va aller. Ça va marcher. Je suis encore en train de te mentir, puis me mentir à moi-même. Bon, Marie-Ève. Philippe? Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'attendais? Je vais avoir des bonnes nouvelles bientôt. Les médecins trouvent que ça va dans le bon sens maintenant. Je vais guérir. C'était folle. Comment t'as pu nous faire ça? Comment t'as pu faire ça à tes propres enfants? Il voulait plus me voir, Philippe. Ah oui? Puis toi, t'as pas vu la peine que tu l'auras faite? Ah, tu l'as vu, puis t'as continué pareil! Ben, j'avais pas le choix, là. Je pouvais plus reculer. Non, 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 tu l'avais le choix. T'aurais pu, t'aurais dû. Tant qu'à t'inventer un cancer, t'aurais pu t'inventer une guérison. Ben, c'est ça que je voulais faire dans les prochains jours, là. Ouais. Leur dire que mon traitement fonctionne. Ouais. Mais ça a marché, Philippe. Ils m'ont pardonné, puis là, j'ai retrouvé ma famille. C'est... si on leur dit, je les perds encore, puis ils en viendront plus. Tabarnak, t'es pathétique. Je sais, je sais, je sais, je me déteste tellement, mais j'ai...
J'étais pas capable de vivre en les voyant me haïr. Tu comprends, hein? Non! Je comprends pas que t'aies fait ça aux enfants! Philippe, Philippe! Va-t'en pas! Va-t'en pas comme ça! Regarde, je l'ai la solution. Ça peut s'arranger aujourd'hui, si tu veux. Lâche-moi! Dis-leur que je suis en rémission. Asti, je veux plus jamais te voir! Asti! Je sais pas ce qui m'en retient. Tu vas faire pour les enfants? Tu vas pas leur dire, hein, Philippe? Dis-leur pas, Philippe! Non, 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 Philippe, je veux pas que tu partes, je veux pas que tu partes! Philippe, 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 reste! Je veux pas que tu leur dises, OK? Dis-leur pas, Philippe! Vous voulez savoir ce qui va arriver à Mina et Philippe? Soyez au rendez-vous dès janvier à TVA.